Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo suite en quelque sorte de ma première vidéo recette carnivore, trois façons de cuisiner la poitrine ou le plat de côte. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs façons de cuisiner le plat de côte haché que je demande généralement à mon boucher sous forme de steak haché, mais vous pouvez le demander aussi directement haché en vrac. Moi, je le commande en grande quantité et je le congèle. Donc, je vais vous montrer pour varier un petit peu les plaisirs. Donc, la façon la plus simple, bien sûr, c'est de cuire son steak haché à la poêle. Ensuite, il est possible de récupérer le gras de cuisson parce que le plat de côte est un morceau très gras quand même qui rend pas mal de gras dans la poêle. Donc soit vous récupérez le gras dans une petite coupelle et vous trempez vos morceaux de viande, ou alors moi je fais souvent ça, je rajoute du beurre sur mes steaks hachés que j'ai fait cuire simplement à la poêle. Après vous verrez une autre façon, c'est juste de faire cuire la veille son steak haché, soit en morceaux hachés grossièrement ou directement du haché en vrac. Et là, à ce moment-là, vous versez tout dans un petit plat et vous tassez un peu. Et du coup, vous aurez le lendemain une préparation avec tout le gras dedans qui aura figé. Donc, ce sera super goûteux et froid, c'est hyper bon. Moi, j'avais repéré ça sur le contenu de Bella de Steak and Butter Gal. Le voyant, franchement, ça ne me faisait pas rêver. Et quand il a fait très chaud, là, j'ai eu envie de tester et franchement, c'est trop bon. Et ensuite, je vais vous montrer comment préparer des sortes de petites barres. Voilà, mais c'est exactement la même chose que les recettes précédentes en fait. Et enfin, la soupe de viande. Et là, c'est tout simple aussi, hein. Il suffit de mélanger le haché et de le faire cuire dans une casserole, de rajouter du bouillon d'os. Moi, parfois, je rajoute un peu de queue de bœuf ou d'autres morceaux que j'ai en conserve. Et ça fait une délicieuse soupe de viande. Donc, je vais vous montrer tout ça. Rien que les explications comme ça suffit. Mais j'ai fait un petit visuel que j'ai destiné à mes vidéos shorts, que je vous remets dans le contenu, on va dire, basique de la chaîne. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ne regardent pas les shorts et seulement les vidéos. Et peut-être que voilà, ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ou si vous préparez votre steak haché d'une autre manière. Ça m'intéresse aussi. Et eh bien, je vous laisse avec le contenu. À bientôt! Je demande à mon boucher de me préparer des steaks dans le plat de côte en grande quantité. On peut le préparer tout simplement à la poêle ou à la steak and butter gal, c'est-à-dire de le préparer la veille. Donc moi je le hache grossièrement, je rajoute un peu de germino, je le tasse un petit peu dans un plat et le lendemain la graisse est solidifiée, c'est vraiment divin. Ensuite, on peut faire des petites barres carnivores, donc un peu même procédé que la recette précédente avec un peu de germino, bien faire dorer les morceaux, les mixer et ensuite les mettre dans des moules et réfrigérer la préparation. Après quelques heures de réfrigération, vous pouvez déguster vos barres en encas ou en petit-déj comme je l'ai fait aujourd'hui. Enfin, dernière recette, la soupe de viande. Rien de plus simple, prendre des steaks hachés, les mettre dans une casserole, les égrainer, rajouter un peu de bouillon d'os maison ou jarbino et c'est prêt. Vous pouvez aussi ajouter des œufs.